l'ancien temps, lorsque le message était proclamé, les croyants ne restaient pas indifférents, mes amis. Oh oui, aux temps anciens, lorsque l'évangile était proclamé, les hommes, les femmes, les enfants fondaient toujours en larmes. Mais aujourd'hui, même si l'évangile tape dur, les gens ne sentent plus de condamnation dans les cœurs, mes bien-aimés. Les croyants sont devenus et prêtres et huîtres. Même si la parole condamne les cœurs, il reste toujours le même. Or nous savons, jamais changé. Dommage, les croyants se sont habitués avec la parole. Mais retenez une chose, notre Dieu est inhabituel. Encore moins, il n'a jamais été un grand-père. Oh, pitié, il nous faut un retour à la parole. Nous chantons, nous réclamons le retour. Ça devient difficile, il n'y a plus d'amen. Ce parterre ne m'aime plus, veut toucher à ma vie privée. Je dois certainement quitter cette assemblée. Mais où sont les croyants qui peuvent-ils? Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient? Nous voulons un retour. Du temps du soir, le message qui me ramène à ma position originaire. Les plus horribles des choses bien aimées, il n'y a plus de Josué qui peut fidèlement répéter Moïse. Les auxiliaires de William Branham ont peur de répéter fidèlement Malachi 4. En faisant des compromis avec ce message, ils dorlotent les croyants de peur que leur tabernacle ne se vide. Mais où sont les prédicateurs qui peuvent prêcher comme Paul, dire la vérité et appeler les chats par son nom? Le pasteur ne présente plus les brebis au petit bon berger, mon Jésus. Ils amènent les croyants à s'attacher à leurs églises. C'est arrivé au point où les croyants sont devenus fanatiques des hommes au lieu d'être fanatiques de Jésus. Or William Branham a dit, je n'ai jamais apporté ces messages pour pousser les gens
à me suivre, moi, bonhomme. Car ma mission à moi, c'est de présenter à Jésus son épouse. Amener les gens à la croix, au pied de Jésus. Alors toi, cher apôtre, nous voulons un retour à la vision du prophète, la vision de ses messages. S'il te plaît, mon pasteur. Le retour. Cher docteur. Particulière des écritures, car ce sont les bonnes pensées introduites dans le message qui a mené la mort dans l'église du Dieu vivant. Mais le saint prophète a dit: jamais ce message ne serait une dénomination, mais ce sont les hommes qui deviendront une dénomination. Et nous voulons un retour. Les prédicateurs inféminés disent aux croyants: le retour. Je ne regarde pas l'extérieur. Le retour. Un message qui me ramène à ma position originaire. Gloire à Dieu.